Alors, je vais me baser ici sur deux exemples personnels qui vont illustrer la façon dont ça se passe parfois et des partis pris esthétiques que j'ai faits et qui ont conditionné mon choix au niveau de la température de couleur, celui de mes sources, mais aussi celui du réglage sur ma caméra. Et tout ça pour un rendu spécifique. Je devais réaliser plusieurs clips pour une marque de lingerie. Je vais pas m'attarder sur l'aspect découpage ni scénario. On va plutôt envisager les choses d'un point de vue technique et évidemment au niveau de la température de couleur principalement. Alors, pour ces clips, on a réalisé des décors, et notamment une loge, comme celle qu'on a dans la coulisse d'une salle de spectacle. Il était donc prévu d'avoir ces belles ampoules autour du miroir. Si vous demandez à un maquilleur, il vous dira que ces ampoules autour du miroir servent évidemment pour faire le make-up et la coiffure. Et donc, par définition, ces ampoules, en principe, ne doivent pas avoir une tonalité spécifique, mais plutôt être neutres. Mais dans ce genre de clip de mode, ça n'a pas vraiment d'importance. On avait défini qu'il nous fallait une ambiance de loge, d'artiste, avec des miroirs entourés d'ampoules, de vieilles photos, etc. Et c'est ce qu'on a construit, toute pièce, sans véritablement soucier la température de couleur de ces ampoules. J'avais choisi de grosses ampoules, rondes, énormes, plus grosses que celles qu'on voit d'habitude. Et donc, je savais que ce serait très visuel à l'image. Et je suis très content du résultat. Évidemment, avec beaucoup de grosses ampoules comme ça, qui en plus se réfléchissaient dans certaines parties du miroir, ce genre d'éléments de décor, entre guillemets, deviennent une composante au niveau de la lumière. Et rien qu'avec ces ampoules, déjà, j'aimais beaucoup le résultat en termes de lumière. J'avais l'image que je voulais, et la tonalité me plaisait. Et ça m'amène à vous parler d'une autre notion. On a parlé de température de couleur, et vous serez maintenant à même de comprendre cette notion de lumière chaude, de lumière froide, de lumière daylight, de lumière tungstène. Mais vous devez savoir que ce n'est pas tout. Certaines sources lumineuses, et principalement les sources lumineuses dans lesquelles interviennent lors de la fabrication des gaz rares ou des mélanges de gaz, elles se baladent aussi quelque part sur l'échelle des degrés Kelvin. Mais elles vont faire intervenir une autre notion, la notion de teinte. Et je peux vous donner un exemple ici justement, dans ce plan que je devais filmer. Comme je vous l'ai dit, pour ce plan, je voulais absolument préserver la belle ambiance, la teinte justement que j'obtenais avec ces grosses ampoules. Mais nous devions aussi prévoir, comme toujours, d'autres sources, ou comme souvent, principalement pour déboucher les ombres. Je ne voulais pas que nos sources additionnelles prennent le dessus sur ces ampoules, mais viennent juste un peu soulager les ombres. Dans ce cas-là, je préfère toujours fonctionner de cette façon, sachant que de pousser le contraste en post-production serait de toute façon un jeu d'enfant. De plus, je shootais avec la Red Dragon en 6K. Je n'avais donc pas le sentiment de prendre un risque au niveau de l'exposition, quand on connaît la profondeur du RAW de la RED. Et c'est là qu'on a eu besoin d'un outil très spécifique, le thermocalorimètre. En gros, visuellement, il a tout d'une cellule. Ça tient dans la main comme une cellule. Ça a la taille d'une cellule. Et ça se présente devant la lumière comme une cellule. Mais ça mesure la température de couleur. Et dans ce cas-ci, les électros, donc les techniciens de lumière qui sont sur le plateau ce jour-là, dont c'est le boulot, ont mesuré la température de ces ampoules pour comprendre leur rayonnement. Et ma première source ajoutée sur le set était une source HMI, dans un gros softbox qu'on voit à l'image. Donc une lumière à 5600 degrés Kelvin, et qui ne collait pas du tout avec cette belle ambiance chaude et un peu rouge de mes grosses ampoules au make-up. Alors, avec les grosses ampoules, on n'était pas tout à fait à 3200 degrés Kelvin non plus. Donc dans ce cas-ci, la première chose qu'on a fait aura été de rajouter un filtre demi-CTO sur le HMI, sur le softbox littéralement, pour réchauffer le HMI et la ramener vers la température de ces ampoules. Mais ce n'était pas suffisant. Notre lumière n'était pas encore équilibrée. Je voulais que les deux sources en arrivent à se confondre évidemment. Pour y arriver, le thermocalorimètre nous indique que les ampoules sont chaudes, ok, mais aussi ont une teinte, comme je vous le disais tout à l'heure pour ce type de lumière, un peu spéciale. Et dans ce cas-là, pour y arriver et obtenir le même rendu, on a donc ajouté un autre filtre de correction. Et dans ce cas-là, un minus green, littéralement moins vert. En gros, un filtre avec quelques points de magenta, qui va neutraliser la teinte verte. Donc vous le voyez sur cette image, notre HMI est équipé d'un softbox, avec une première couche d'un demi-CTO, orange donc. Et donc ensuite, un filtre minus green, qui en fait est un filtre de correction magenta, comme je le disais. Et avec ce cocktail, on est arrivé à obtenir le rendu que je souhaitais. Et on a fait aussi le même avec un petit KinoFlow, un tube néon donc, juste au-dessus du miroir, en douche, qui lui aussi avait une source lumière du jour à la base. Donc il était question lui aussi de le réchauffer et de donner une petite pointe de magenta. Et là, j'obtiens bien le rendu que je voulais. Une tonalité chaude, ronde, enveloppante que je voulais pour ce plan-là. Je vous laisse regarder le clip et on se retrouve ensuite. Si vous le souhaitez, vous pouvez regarder une meilleure version que j'aurais mis dans les fichiers joints.
J'ai gardé ensuite la même base de lumière pour le plan suivant, même si nos ampoules n'étaient plus présentes, dans l'idée de garder une homogénéité. J'ai gardé les mêmes sources et les mêmes filtres. Vous verrez aussi que dans le champ, j'ai un abat-jour qui ne pose aucun problème puisqu'il se balade lui aussi quelque part dans la même zone sur l'échelle de degré Kelvin. On regarde rapidement un extrait du résultat.